Eh bien salut les amis, c'est Kermado et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Super Mario Slugger. Super Mario Slugger, c'est comme ça que ça s'appelle. Je ne savais plus dans quelle ordre c'était. Les amis, merci à tous d'être toujours autant à suivre cette série. Ça me fait vraiment super plaisir, je m'attendais vraiment pas à tout cet engouement. Donc n'oubliez pas toujours de laisser des pouces bleus et on continue avec Yoshi. Qu'est-ce qu'il est mignon. Lui, qu'est-ce qu'il voulait de plus? Ah, il voulait son pinceau, c'est vrai. Et on sait pas où il est son pinceau. Ça, j'avais déjà fouillé dedans, non? Non, j'avais trouvé un Yoshi pourtant je crois. Là on n'y est pas allé. On peut fouiller là-dedans? Non, on peut pas. Bon, on va aller par là. Mais oui, il y a son pinceau à trouver quelque part. Ça me rappelle tellement Super Mario Sunshine ces trucs-là. Yoshi, Yoshi, j'ai réussi, c'était mon talent spécial. Je peux aussi l'utiliser pour trouver des joueurs cachés. Et c'est le dans différents endroits. T'inquiète Yoshi, on le fera. Alors là il n'y a rien, d'accord. Là, on peut ouvrir la porte. Très bien. Bon, alors, salut. Enfin, toi, je t'attendais. Wiggler est si en colère contre Bowser Jr. qu'il saccage tout. Tu pourrais changer la direction des rails pour le ramener ici. Yoshi, Yoshi. Mais le Magikoopa vert a changé le mot de passe du dispositif de commande. Je ne sais pas quoi faire. J'espère que tu as une idée. Ah, mais attendez, mais je connais pas le mot de passe, moi. Si tu as un Koopa... un Paratroopa, un Paragoomba et un Boo dans ton équipe, combien d'ailes as-tu? Koopa 0, Paratroopa 2, Paragoomba 2, Boo 0, donc 4. Ok? Combien y a-t-il de gondoles sur la grande roue? Sur cette grande roue-là? Comment voulez-vous que je sache? Il y en a 8? Non. Comment voulez-vous que je sache? Bah, il faut que j'aille voir par moi-même. Non mais, j'ai pas du tout fait attention, mais attendez, mais il y aura certainement d'autres informations en plus qui vont me demander... Ah non, et maintenant, en plus, il faut Mario? Ouais, c'est pas pratique, ça. Je viens d'aller voir, il me semble qu'il y en a 6. Je suis pas certain, mais je crois qu'il y en a 6. Donc, allez. Mais après, je sais pas quelle autre question ils vont me poser... donc on commence par combien d'ailes? 4. Ok, ensuite combien y a-t-il de gondoles? 6. Combien de points as-tu si tu frappes un circuit alors qu'il y a 3 joueurs sur les buts? Ben 4, parce que toi t'en as un aussi. Ouais. Combien de tentacules blooper a-t-il? C'est une question pour moi ça. Il y en a 8 blooper, non? Non! Non! Je sais même pas combien de tentacules a Blooper, mais ça dépend des jeux aussi. Là, il en a 6. Il en a 6 alors. Mais oui, mais ça dépend carrément des jeux. Ou il en a 10. J'en sais rien. J'en sais rien. Attendez, je me trompe sur la question de... Non, il y avait 6, c'est vrai, ça. Attendez, attendez, je suis en train de m'embrouiller là dans les questions et tout. Mais alors... Oui, pourquoi il me reparle à chaque fois? Donc on commence par 4... 4, 6, 4, et donc Loops, on dit qu'il en a 6. Non ? Combien il en a ? Je viens d'aller voir sur internet et je crois qu'il en a 10. Enfin, j'ai pas vu, j'ai pas tapé combien de tentacules à Bloops, mais j'ai regardé l'artwork le plus récent. Et en fait, il en a 10, il y a celle de derrière que j'oubliais. Combien y a-t-il de gondoles ? Donc on avait dit 6. Ensuite, combien de points ? 4, et donc 10. Oui, là qui tue a 1 une moustache, 2 des ailes, 3 des lunettes. 3 des lunettes. Ok, c'est bon. Ouf, très bien. En plus, après, on peut repartir par là. On n'est pas obligé de... Oh, je viens avec toi. Montrons à ces soldats comment jouer au baseball. Super. Je suis pas obligé de refaire le tour par le tuyau. Très bien, on a un Yoshi bleu. Ah ouais, faut essayer d'avoir toutes les couleurs de Yoshi. Hein. Y a rien d'autre par là? Wiggler devrait revenir. Oh oui, regarde, Wiggler arrive. Allez Wiggler! Donc Wiggler il est pas jouable dans ce jeu, j'en suis presque sûr. Ah peut-être que si en fait! Ah oui, en fait le manège Wiggler se transforme en Wiggler, ça n'a aucun sens! Qu'est-ce qui se passe? Comment suis-je arrivé ici? Qui es-tu? Fais-tu partie de l'armée de ce misérable Bowser Jr.? Ah non? Oh désolé d'avoir crié. Hein? Tu veux que je t'accompagne? Baseball? Hein? Ok, réussis mon test et je vais me joindre à ton équipe! Allez, oui, trop bien, Wiggler! Wiggler, c'est mon deuxième perso préféré, avec
avec Bloops. Frappe une balle vers le champ. Donc quoi, il faut que j'ai un bon batteur, c'est ça? Avec quel bon batteur j'ai pas encore joué? Oh non, mais vers le champ, c'est sérieux? C'est-à-dire qu'il faut que je frappe exactement au bon endroit? Ah, ça va être horrible, ça. On va y aller avec le roi Karoul. C'est l'un de mes meilleurs batteurs, hein. C'est peut-être même mon meilleur batteur. Non, mais il va falloir que je refrappe au bon endroit. C'est juste la mission la plus terrible, quoi. Enfin, on va voir où il est le champ, mais... Ouais, allez, allez. Wiggler. Donc, faut que je tire en retard ou en avance? Frappe la balle dans la zone indiquée. Réussit 3 fois sur 10 pour gagner. Mais on vient d'avoir le même truc. Pourquoi ils nous le refont? Non, loupé, d'accord. Mais oui, c'est la même zone. Centre. Ah, d'accord, ça change. Donc là, faut que je fasse... Non, ok, j'ai compris. J'ai compris. Donc là, faut que je fasse... non, c'est nul. C'est nul. Bah non, je fais un tour... Mais non, mais c'est trop dur. C'est vraiment l'épreuve la plus dure. Oui, je fais un coup de circuit, mais c'est loupé. C'est oups. Oups. Centre. Faut que je tire au bon moment pour faire centre. Non, mais what? J'ai tiré trop tôt, trop tard, je sais pas. Fausse balle. Là, faut que je tire tard ou... Oh, trop tard, enfin plus tard ou... Là, faut que je tire au bon moment. Non, mais attendez, mais j'y arriverai jamais, ce truc. C'est pas croyable. C'est super dur. Déjà que c'était dur quand le truc était toujours au même endroit, mais alors maintenant, le fait que... What? Ok, très bien, bon. Là, j'ai plus le droit à l'erreur, hein. Non, mais what? Mais non, on tombe! Mais c'est pas sérieux! Faut pas que je joue avec un batteur... Ah si, ça marche! D'accord, ok. Non, échoué, mince. Pourquoi ça a marché? Pourtant, j'étais pas dans la zone. En fait, si je tire plus... Non! Bon, si je tire plus loin que la zone, ça marche, ok. Et comment Wiggler peut être sur le terrain s'il est derrière? Non, mais what? C'est trop dur, parce que regardez, il est derrière, là, il est sur le truc. Non, mais... Déjà, c'est rare que je mette la balle dans le terrain. Mais attendez, faut qu'il m'explique. Donc si je tire... Attendez, faudrait que je vois si ça marque trop tard ou trop tôt. Non mais attendez, là j'ai tiré trop tôt. Donc quand je tire trop tôt, ça va à gauche. D'accord, ok. Bon là, faut tirer au bon moment. Frapper au bon moment. C'est bon. Ça c'est bien. Le centre, c'est facile en fait. Donc là, faut que je tire trop tôt. Non, elle est fausse. Ouais, elle est fausse. Là, faut que je tire trop tard. Non. Dommage, si c'était le centre, pourtant j'y étais. Allez. Le centre. Non! Trop tôt? Mais what? Bon, allez, à gauche. Non, elle est fausse. Et là, ça va être le plus dur, ça va être de l'envoyer à droite. Frappe plus tard vers... pour la droite et plutôt pour la gauche. Ouais, d'accord, d'accord. Donc, sauf que t'as une toute petite fenêtre, quoi. Oh, c'est bon. C'est bon. Elle était parfaite, là, en plus, hein. Bon, là, c'est chaud. Non, c'est bon. Deux fois de suite. Oh, mon Dieu, me dites pas que maintenant, je vais faire échec sur tout. À droite, ok. Non, 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 non. Trop tôt, trop tôt. Oh, non. What? Mais non, mais elle y était. Elle y était? Non mais c'est une blague, elle y était! Mais non, c'est parce qu'elle avait rebondi d'abord. Ah non, c'est honteux! C'est honteux. Non! Mais comment ça trop tôt? En plus, elle est partie un peu vers la droite, donc ça devrait pas être trop tôt. Mais non, mais c'est pas croyable, j'étais déjà super bon. Oui, 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 c'est bon. Parfait. Oh, merci les tuyaux. Pour une fois, merci les tuyaux. Hein, parce que d'habitude, les tuyaux, ils me plaisaient pas du tout. Enfin, ils m'ont gêné une fois, mais là, c'est bon. Parfait. Ouf. Et donc, Wiggler nous rejoint. C'est génial. Je vais le mettre dans mon équipe. Avec Bloops, quand j'aurai Bloops. Wow, tu es vraiment bon. Les soldats de Bowser n'ont aucune chance. Tiens, voici mon billet de l'arcade. Ne le perds pas. C'est quoi un billet de l'arcade? Plongeon de colère. C'est quoi le billet d'arcade? Tu as reçu le billet de l'arcade, tu peux maintenant jouer dans l'arcade. D'accord, merci Wiggler. C'est cool. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre par là? Oh oh. Arrête, arrête, arrête!
Mon petit doigt m'a dit que quelque chose clochait ici. Tu as battu le magique ou pas rouge? Je, ici présent, ne te laisserai pas passer. Ce stade nous appartient. Ok, bon, on se combat contre... what? Mission du talent spécial, attrape la balle avec une langue attrapée. Et comment ça marche, les langues attrapées? On va jouer avec Yoshi Rose. Quoi? Oui, Yoshi Rose. Il est trop mimi, Yoshi Rose. Mais langue attrapée, what? Faut qu'il m'explique, hein. Faut qu'il m'explique, là, qui tue. Et qu'il m'explique bien, pour une fois. Parce que là, ça faisait trop de fois qu'il m'expliquait mal. Mais oui, Wiggler, il est toujours en train de tourner autour du terrain, alors qu'il est censé être dans notre équipe, maintenant. ouais, alors... Appuie sur A pour faire un langue attrapée. Retire 3 joueurs en 10 essais pour gagner. What? Ok. Bah, je crois que j'ai compris, c'est juste que j'ai pas couru assez vers le truc. Vas-y, vas-y, Boo. Allez, envoie. Boo, il est dans notre équipe, non? What? Attendez, mais c'est juste que c'est super serré, en fait, au niveau du timing. Mais non, mais attendez. Comment je fais déjà pour courir plus vite? Je dois secouer la manette, c'est ce que je fais pourtant. Non mais attendez, mais c'est super chaud. Vas-y, vas-y. C'est pas censé être si chaud que ça. Ah, c'est bon. Ok, d'accord. Ouais, mais c'est super chaud, hein. Y a... Enfin, c'est vraiment un timing super serré. Mais c'est pratique comme pouvoir. Oups, non mais... ça va être dévisé de le faire 3 fois. Vas-y. Oui, très bien. Retiré, super. Allez, il n'y en a plus qu'un là. J'ai 4 balles. 3 balles. Là... Oui, parfait. Hein, il a du mal à l'envoyer dans la diagonale en fait. La plupart du temps, il l'envoie que vers le bas ou la gauche, la droite ou le haut. Mais la diagonale, là j'y suis arrivé. Tant mieux. Garde les joueurs avec de l'alchimie près l'un de l'autre. Oui, ça s'appelle de l'alchimie. Ou de l'alchimie. Ils disent en français de l'alchimie. D'accord, très bien. En anglais, ils disent de l'alchimie. Je dois être en plein cauchemar. Je, ici présent, est perdu contre toi. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Je t'aurais averti. Je t'aurais averti, entre parenthèses, genre ils font de l'écriture inclusive là dans Mario Baseball. Ils étaient en avance sur leur temps, hein, en 2008. Merci, quelle surprise! Le Yoshi vert est avec toi, tu peux accéder au stade! Puis-je t'accompagner? Je veux sauver le stade moi aussi! Mais attendez, mais on a toujours pas. Oh, lui c'est le plus joli des Yoshi, le bleu cyan. Il s'appelait comment? Bleu quoi? Bleu pâle? Oui, si tu veux, mais c'est cyan, quoi. Mais oui, mais le problème, c'est qu'on a toujours pas trouvé le pinceau, hein. Ça se trouve, le pinceau, il est même pas sur ce terrain, hein. Il était dans un autre monde. J'en sais rien du tout. Parce que je trouve rien. Bon, bah, tant pis. On va aller au stade et on va faire notre match. Oh, il y a Birdo! Ah, attendez, mais il y a un truc d'abord. Eh oh, eh, par ici, en haut! Aide-moi, je t'en prie! Mais attention, Bowser Junior est tout prêt! On arrive, Birdo, t'inquiète. Ça, c'est quoi? C'est le pinceau? Ah, c'est Yoshi jaune, merci! Oh, quel soulagement! Je suis caché ici depuis si longtemps! Pourrais-tu me guider vers un endroit plus sécuritaire? Sécuritaire? Quoi? Tu veux aller à leur rencontre? C'est fou! Tu dois me prouver que tu peux les battre! Allez, on relève le défi. On fait beaucoup de défis, hein. On va y aller avec Bleu Pâle. Ah, par contre, c'est pas un très bon batteur, hein. Bon, c'est pas grave, on doit faire un... Pourquoi j'ai pas réussi? Ah si, c'est bon. Voilà. Faire un amorti sacrifice, c'est quoi ça déjà? On a déjà fait les trucs sacrifices, je m'en souviens plus. Quand tu penses que pour le match final, il va falloir genre fusionner tous les trucs qu'on a appris jusqu'à maintenant, ça va être tellement chaud. Et c'est dans pas si longtemps, hein, dans 3-4 épisodes, je dirais. Frappe un amorti sacrifice. Oui, oui, je sais, je sais. Vas-y. Je sais plus comment on fait, hein. Ah non, l'amorti, c'est avec B, non? C'est avec B, je crois. Comment on fait l'amorti sacrifice? Objectif de la mission. Non, c'est... Appuie sur pour courir et sur Z pour amortir. Quoi? Z, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Oh bah, oh, d'accord, ok. Très bien. J'ai échoué. Allez, vas-y, envoie. Pourquoi j'ai échoué? Attendez, je dois renvoyer la balle. Mais non! J'ai pas compris. Ah, je dois d'abord les faire courir, c'est ça? Ouais. Ok, c'est bon, je les fais d'abord courir. Ok. Je serai... Oui! Parfait! Sauf!
Ok, j'ai compris comment ça marchait ça, mais ouais, ça peut être sacrément utile en match. Quand t'es à égalité, que tu veux marquer un point, ça peut être sacrément utile là de faire ce truc sacrifice. Mais c'est chaud parce qu'il faut y penser quoi, ça demande une combinaison de touches qui est pas facile. Hein. Enfin, c'est pas facile de s'en souvenir surtout. Je suis impressionné, vous êtes meilleur que je ne le pensais. On dirait bien que je fais partie de l'équipe, allons-y. Super, Yoshi Jaune nous rejoint, avec un certain talent au bâton. Ah, au bâton, à la batte, arrêtez de dire le bâton. Comment je vais faire pour monter là? What? Voici un terrain de baseball, tu peux y jouer au baseball ou à des mini-jeux. Celui-ci est encore en construction. D'accord, on sait pas comment aller chercher Birdo. Comment je fais ça? Ah, j'ai pas encore le bon perso, ça doit être ça. Ça doit être avec le dernier perso à débloquer. Des pièces, mais toujours pas de pinceau. Salut! Enfin, tu es là! Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Tu t'es perdu en chemin? Bon, où j'en étais? Ah oui, je te mets au défi de réussir mon mini-jeu de fleurs piranha. Essaie de me battre. Gagne le mini-jeu. Qu'est-ce que c'est que ce mini-jeu de fleurs piranha? Attendez, attendez, attendez. ça me paraît pas bien ça. Allez, on va jouer avec Wiggler. Ouh, trop mignon. Il a fait un saut bizarre là, un salto bizarre. Lancez sur les fleurs piranha pour les repousser. Leur position indique la balle à utiliser. Balle rapide, courbe ou balle lente. Oh là 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 là. Courbe à gauche, balle rapide, balle lente, courbe à droite. Mais comment je fais ça? On va voir en jeu, mais ça me paraît très compliqué. Ça me paraît très compliqué. What? Ok. Parc de Yoshi. Panique au piranha! Oh là 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 là. Alors. What? Ok, très bien. Ah, j'ai compris, d'accord, ok. Ok, parfait. Vas-y. Mais l'autre, il s'en sort trop bien, là, le Bowser Junior, il m'énerve. Super, parfait. On a beaucoup de combos, là. Non, raté. Mince. Ah, c'est parce qu'elle était en l'air. What? Ah, ok, avec la bombe, on y arrive. Vas-y. Comment on fait pour envoyer une en haut? Non, là, c'est en bas. Super, parfait. En haut, c'est comment? Je sais pas comment on envoie en haut. Ah, là, c'est en bas, ça va. Mais en haut, je sais pas. Je sais plus comment on fait. Ah, là, c'est sur le côté. Mais ah non, ça y est, bon, j'allais y arriver. Bon, elle fait des... Non, c'est avec A. Pourquoi ils disent avec A? Pourquoi j'essaierais de faire le bouton A? Je comprends pas. Je comprends pas. Bon, en fait, ce que j'ai compris comment on jouait. Le seul truc que j'ai pas saisi, c'est comment on fait pour envoyer la balle en haut. J'ai pas l'impression que c'est en appuyant sur le stick. Hein. Bon, on va réessayer. En fait, il faut maintenir le bouton A appuyé, d'accord? Parce que ça m'affichait A. J'appuyais sur A, mais en fait, non, il faut rester appuyé dessus, pas juste appuyer une fois. C'est comme ça qu'on envoie la balle en haut, c'est avec une balle lente. Bon, bon, ça va être facile, je pense. Enfin, quoi qu'il est super fort, Bowser Junior. Hein. Voilà, allez. Très bien. Allez, encore. Ah, Bowser Junior, là, il fait que de louper. Il est devenu nul entre-temps. Bah, tant mieux. Tant mieux. Allez. Ça, c'est avec le stick, en fait. Là, c'est une balle normale. Vas-y. Parfait. Comme ça, on gagne des points. Bah, je sais pas si on... What? Mais si, j'ai envoyé normalement. Qu'est-ce qui se passait? Ok, envoie normalement. Ah, mais attendez, je suis même pas premier, là. Vas-y. Oh mon dieu, comment il fait pour avoir autant de points, l'autre magique ou pas? Je sais pas, mais vas-y! Et des fois, ça envoie pas comme il faut. Non mais attendez, mais il a trop de points, le magique ou pas? Il n'en avait pas autant la dernière fois, non! Raté! Mais non, mais il m'a fait une feinte, là! Non mais attendez, il a presque le double de points de nous, comment il fait son compte? On gagne des points quand on envoie la bombe? Enfin, je veux dire, on gagne plus de points, j'en sais rien. Donc oui, effectivement, hein, j'ai vérifié dans les règles, envoyer la bob-bombe, ça permet de gagner plus de points. Donc il faut envoyer la bob-bombe dès qu'elle est chargée. Mais c'était chaud comment il a fait pour gagner autant de points, là, l'autre magique ou pas. Vas-y. Alors. Allez. Vas-y. Parfait, combo de 3. Allez, allez, plus vite, plus vite, plus vite, hein. On a pas beaucoup de temps, là, on est premier, mais ça risque de... c'est pas sûr que ça dure, allez, vas-y, jette ta bombe, très bien. Il est où? Ah, il est là.
Mais ouais, il est pas loin au niveau des points. Super. Enfin, c'est-à-dire que j'en loupe une et c'est bon, je suis derrière. Vas-y, jette la... Bon, parfait. On a un combo de 10, c'est génial. On a un peu d'avance, mais non, pas... Enfin, non, on a toujours qu'un seul point d'avance, en fait, c'est vraiment pas ouf. Non, non, non. Ok, je l'ai eu quand même. Mais oui, il fait des feintes après. Bon, mais j'ai beaucoup de points d'avance, là, ça va, je pense que c'est bon, c'est gagné. Enfin, faut faire attention quand même. Ah, les bobombes, très bien. Allez, oui. Ok, ok, c'est bon, là, je les ai écrasés. J'ai eu beaucoup plus de points qu'eux. Ouf, et Bowser Junior qui finit troisième. Non, mais il est nul, l'autre. Il croyait qu'il allait réussir à nous battre avec ça. il va y avoir un match, quand même, malgré tout. Un match contre lui. Parce qu'il devrait... Patate moisie, j'ai perdu. Tu as triché, c'est ça? Non, j'ai pas triché. Ah bah non, il s'en va. D'accord, il s'en va. On n'a pas vraiment de match, tant mieux. Bah, qui a besoin d'un vieux stade comme celui-ci? Je vais en trouver un autre. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il t'en reste plus qu'un, d'ailleurs, de stade. Enfin, il y a celui de Wario aussi, mais... Ah, on peut jouer au mini-jeu des piranhas, maintenant. Ah, on a Birdo. Ah, enfin, on n'a pas encore Birdo, mais... attendez, avant... On va d'abord aller voir Birdo et après, on ira dans le tuyau. Salut, Birdo. Enfin, en sécurité. Merci, merci beaucoup. J'ai eu si peur, je me faisais bronzer tranquillement, et tout à coup, le terrible Bowser Jr. est apparu de nulle part. J'ai paniqué, je me suis enfui jusqu'ici. Il a détruit le pont peu après. Un pont arc-en-ciel, genre ça fait sacrément gay. Vous êtes mes héros, vous devez m'accueillir dans votre équipe. Ah bah ok, d'accord. Talentueuse, mais ne peut frapper les courbes. Talentueux, vous voulez dire. Super, bon. Là, on pourra faire ce jeu, mais plus tard... On va avoir besoin de Mario pour pouvoir rentrer dans le tuyau. Est-ce qu'on va avoir le pinceau, enfin? Parce qu'il serait temps quand même à un moment. Oh, oh, oh. What? Ne bouge pas! Ne bouge plus! Veux-tu savoir ce qu'il y a dans ce coffre? Oui, oui. Je ne te le dirai pas, et je ne te dirai surtout pas que c'est un pinceau! Ah, zut! Oublie ça! Tu n'auras pas mon pinceau! Je te mets au défi! Ok, relevons le défi. Bah avec Birdo, tiens, on vient de débloquer Birdo, donc allons-y. Allez, allez. Voilà. Ah mais non, mais c'est pas un... Si, si, c'est un bon frappeur, donc ça va, ça va. Oui, c'est un bon frappeur, pas une bonne frappeuse. Frappe un coup sûr au champ centre. C'est quoi un coup sûr? Comment on fait ça? Masquasse jaune. Frappe la balle dans le champ centre, réussit 3 fois. Donc c'est juste frapper normal, sans charger, c'est ça, je crois. Loupé, d'accord. Loupé, très bien, très bien. Vas-y, ça va être compliqué. Ok, très bien. Non mais bon, c'est pas un bon coup vu qu'il est pas dans le champ centre. Mais pourquoi il y a tous mes collègues qui sont pas avec moi là? Ils sont tous contre moi à essayer de rattraper mes balles. Comment ça? Il y avait marqué bien joué, après retirer, après oups, faut savoir quand même. Non, 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 non. Non, c'est pas sérieux, j'étais dans le bon truc. Faut peut-être que je change de perso, en fait. Pff, comment ils font pour choper mes balles comme ça? Ils sont trop forts, là, les mecs. Ça, c'était très, très, très mauvais. Très, 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 très mauvais. Bon, je vais réussir 0 fois, quoi. Carrément. Ils sont trop bons, là, les adversaires. C'est ouf. Bon, non, ça a été vraiment moisi jusqu'au bout. Hein. Là, je pense que j'ai changé de perso et je vais prendre peut-être le Roi Caroule. C'est un meilleur batteur, donc ouais, on va faire avec le Roi Caroule. Le Roi Caroule est effectivement un meilleur frappeur, mais pas énormément. Enfin, Birdo était déjà un très bon frappeur, en fait. Bah non, là, ils vont la choper. C'est obligé qu'ils la chopent, mais oui. Oh là 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 là. Pourquoi je... Mais en fait, c'est parce que je charge... Et si je charge, ça marche ou pas? Ça marche peut-être aussi si je charge. Parce qu'en fait, si je charge, c'est mieux. Enfin, il y a moins de chances qu'il me rattrape ma balle, quoi. Attendez, mais là... Oh! Comment? What? Non, mais ils sont trop bons, les adversaires. C'est une blague. Il y a tout qui est contre moi, quoi. J'arriverai jamais à mettre la balle où il faut. Elle est fausse, elle est fausse, elle est fausse, très bien. Comme ça, je vais pouvoir en refaire une. Allez. Ah, là, c'est bon. Mais non! Mais non! Mais comment ça se fait? Mais... Ils
sont trop bons là. Même quand j'arrive à mettre la balle où il faut, ça marche pas, parce qu'en fait ils arrivent à la saisir. Mais... alors qu'ils sont censés être dans mon équipe, c'est une grosse blague. Ouais mais là je suis pas dans le cercle, puis ils vont refaire leur alchimie, non? Ouais, ils la refont, d'accord, mais... c'est horrible, c'est horrible, je vais pas encore dire que c'est la pire épreuve, parce que j'en sais rien pour l'instant, presque. Enfin, il y en a une sur laquelle je suis resté plus longtemps. Non, mais à quoi ça sert que vous me récupériez la balle, même quand elle est pas dans le champ, quoi? Ça fait énormément d'essais, et j'en ai réussi zéro. Zéro. Vous vous rendez compte? C'est mon pire score, là. Non, bah, c'est mort. C'est mort. Ouais. Dommage. C'est bon? C'est bon. J'y suis arrivé. Je sais pas comment je pourrais le refaire, mais j'y suis arrivé. Non, non, là, elle est fausse, mais what? C'est vraiment super dur. Hein. Mais non! Prise! Ah oui, mais c'est bon, j'en ai encore une. J'en ai encore une. C'est bon, c'est bon? Elle va l'avoir, elle va l'avoir. Mais what? Comment ils font ça? Mais pourtant, elle est dans la zone! Bon, on sait, hein, elle est faute, oui. Allez, vas-y. Non, c'est pas bon du tout. Allez. Mais non, mais là, il la rattrape pareil. Mais oui. Non. Non. Bon, bah, tant mieux, tant mieux. Non, là, elle est fausse, mais attendez, il m'en reste plus qu'une à mettre, là. Mais j'ai plus d'essais, j'en ai plus que 4. Mais on est à côté, on est à côté. Ouais, on est à côté, dommage. C'est pas passé très loin en plus, hein, mais... ça y était pas. Non, mais... mais oui, je sais que c'est pas bon, je sais que c'est pas bon. Vas-y. Oh, 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 oui, oui, oui. Non, elle va l'avoir. Pas sûr. Elle l'a pas, elle l'a pas. Oui. Oh, ah là, j'ai eu de la chance. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'elle allait la... enfin, elle allait la voir. Hein. Il lui aurait suffi de sauter, mais elle a pas voulu tenter. Tant mieux pour nous. Bon, ben, on va récupérer le pinceau alors. Chapeau beurré. Quoi? Bon, d'accord. Prends mon pinceau, voleur. Oh, il nous rejoint. Enfin. Attendez, non, on avait déjà des mascasses, non? Non, c'est peut-être notre premier. Alors, donc, ça veut dire qu'on prend Wario. Et on peut ouvrir le coffre, parce que oui, sans Wario, on peut pas ouvrir le coffre. What? Ah d'accord, il nous expliquait qu'il pouvait ouvrir les coffres, mais on sait, hein. Yes! Le pinceau. Il y a des trucs par là-bas? Non, il y a rien du tout. Donc, il est temps de reprendre Mario. Et le truc du pinceau, on le fera dans le prochain épisode, je pense. Parce que là, l'épisode a été assez long. Attendez, je vais revenir quand même au début. Et je pense que j'aurai presque tous les persos de la zone, enfin sauf le mascasse gris, mais le mascasse gris, il faut avoir le dernier perso. On aura dans pas longtemps, je pense. Bon, les amis, nous, on va en rester là pour cette vidéo de Mario Super Slugger. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Donc d'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine, les amis. Salut !